sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant pari comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi jusqu'à la mort de la croix? Parce que la mort la plus ignominieuse, c'est celui qui est pendu sur le bois. Et lui, il n'est pas mort de n'importe quelle mort. C'est la mort la plus ignominieuse qui existe. Même si vous mourrez dans l'accident, vous mourrez au temps descendu, c'est rien ça. La Bible dit maudit celui qui est pendu où? Au bois. Et c'est cette place-là que lui, il a pris. En étant Dieu le créateur de toutes choses. Amen. Il a laissé sa gloire pour venir mourir à la. Donc, à cette mort plus honteuse, nue devant le croix, la croix, à la croix. Devant sa mère, devant ses soeurs, devant ses frères et sœurs. Vous voyez, combien plus forte raison nous devons aimer un homme comme ça. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, merci pour cette parole. Le fait seulement de dire cette parole, nous sommes déjà bénis dans notre cœur. Et combien plus forte raison, Père, nous pouvons oublier toutes ces choses du monde pour s'attacher à un homme. Oh, qui a pris mes péchés, qui a pris ma place et qui m'a donné sa vie. Toute la vie, nous ne pouvons que te louer, t'adorer et te remercier. Il n'y a pas un prix qu'on peut te donner pour tout ce que tu as fait. C'est pourquoi nous t'offrons notre vie. Que la gloire et l'honneur se nous reviennent. Bénis la parole qui a été lue. Bénis ceux qui l'ont écouté. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne prendrai pas peut-être beaucoup de temps, peut-être quelques minutes, mais la parole, c'est pour ça que nous venons à l'église. Amen. C'est la base. Et dernièrement, je parlais donc de abandonnant tout. Donc, c'est avec, à juste titre, avec des raisons, si nous pouvons vraiment voir ce que cet homme, ce que ce Dieu a fait pour nous, nous n'avons pas d'excuse de ne pas lui abandonner notre vie. Dites amen à ça. Amen. Voyez, il disait que pour le suivre, nous devons abandonner toutes ces choses de ce monde. Abandonner nos amis mondains, abandonner nos groupes des associations, abandonner la politique et s'attacher à lui, à le suivre. Et nous avons vu que le suivre, lui c'est le suivre, suivre quoi? Sa parole. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est la parole. Au commencement, Dieu était, vous savez que Dieu est esprit, il est esprit. Il était la parole, et cette parole était Dieu, et Dieu s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Amen. Suivre Jésus aujourd'hui, Pierre le suivait physiquement. Amen. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous devons suivre au travers de la parole. C'est-à-dire que si nous voulons vivre l'expérience de Jésus, nous devons suivre sa parole. Le suivre, c'est ça. Aujourd'hui, il est la parole. Il s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et c'est cela que nous devons faire encore aujourd'hui. Il a laissé tout ce qui était au ciel. Vous imaginez, Dieu le créateur de toutes choses. Mais à cause de toi, à cause de moi, il a abandonné ces choses pour venir et jusqu'à s'assimiler à devenir un homme. Un homme, et pas seulement se limiter là, jusqu'à être craché, injurié, et de toutes sortes de choses, accepter la mort la plus humiliante, celui de mourir sur la croix. Tout ça pour que toi, tu puisses avoir la vie. Amen. Amen. Mais combien les gens dans ce monde qui s'en foutent, qui ne veulent pas accepter cette parole? Mais nous savons que toutes choses à sa fin,
nous verrons la foi, comme le monde dit, justifie les moyens. Amen, amen. N'est-ce pas? Amen. Alors ce matin, je veux parler sur l'identification ou s'identifier. L'identification, c'est l'action d'identifier. Quand on parle d'identification, c'est-à-dire on veut identifier quelque chose. On veut découvrir quelque chose. Voyez-vous? Ou on s'identifie soi-même. On peut aussi s'identifier soi-même pour savoir qui je suis. Tu viens d'où? Où tu pars? C'est ça l'identification. On veut découvrir, n'est-ce pas? On constate par des témoignages, par la vie, par ce que vous faites, ce que vous êtes. Amen. C'est par ce que vous exprimez qu'on sait ce que réellement vous êtes. Donc, on s'identifie à quelque chose. On s'identifie à une personne. Voyez-vous? C'est pour découvrir l'origine de quelqu'un. Aujourd'hui, dans le monde actuel, où nous vivons, que sans l'identification, n'est-ce pas, vous ne pouvez rien faire. Vous savez cela? Tu ne peux pas aller à la banque aujourd'hui, prêtez-moi de l'argent, si on ne te connaît pas. On doit savoir qui tu es. Tu habites où? Tu fais quoi? Amen. Amen. C'est l'âge dans lequel nous nous sommes. Aujourd'hui, l'identification est en train d'aller d'une. On dit, c'est-à-dire que le monde devient un village. Amen. Amen. On vous identifie. On veut savoir qui vous êtes. Amen. Amen. On veut savoir qui vous êtes. C'est-à-dire qu'on vous découvre. On vous découvre en regardant vos caractères. Au témoignage, n'est-ce pas? Aux démonstrations de ce que vous faites par les caractères de la personne. Or, nous constatons aujourd'hui que nous vivons à une époque où l'identification est exigée. Amen. Et c'est ce que nous voyons, non? Nous qui sommes surtout dans des pays développés, dans des pays en Afrique, il y a des fois tu peux circuler, tu peux sans papier. N'est-ce pas? Sans une identification. Mais en fait, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas une identité. Est-ce que c'est vrai? Amen. Tu ne peux rien faire. Même ouvrir l'électricité ici, tu ne peux pas. Prendre le téléphone non à ton nom, tu ne le peux pas. Vous savez ça? Amen. Tu ne le peux pas. Aucune banque ne peut t'ouvrir la porte. Je vous lis le prophète. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que nous croyons que la parole de Dieu vient au prophète. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Voyez? Il dit ici, maintenant, au paragraphe 6, donc c'est l'identification de 1964, du 16 février 64, qu'il a prêché à Tillard, je crois, en Californie. Il dit, maintenant, cet après-midi, je pense au sujet d'identification. Eh bien, tout celui qui doit. Nous vivons dans une époque où l'identification est exigée. Amen. Dites amen. Amen. L'identification est exigée. Amen. Ici, tu ne peux pas aller prendre une maison. Qu'on te donne un loyer à payer sans identité. Jamais. Impossible. Soit tu vas demander à ton frère, à ta soeur, non, tu peux prendre ça pour moi, tu peux faire ça pour moi. Dans certains cas, c'est ce que nous voyons. Parce que l'identité est exigée. Et ceci se répand dans le monde entier. Avec ce qui arrive aujourd'hui, avec ce que nous entendons aujourd'hui, avec des pistes qui vont être implantées, pourquoi ils veulent mettre ça? Hein? Vous comprenez, n'est-ce pas? Pourquoi on est en train d'insister que tout le monde doit être identifié? C'est pour bien vous contrôler. C'est pour mieux vous diriger. C'est pour qu'on puisse connaître qui êtes-vous, ce que vous faites dans votre vie.
C'est ça le but. Amen. Voyez, il dit, nous vivons dans une époque où l'identification est exigée. Vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas connu à une banque, vous ne pouvez pas encaisser votre chèque. Dites amen à ça. Amen. Quelqu'un au Congo t'envoie même par Western. J'envoie cet argent à Sœur Marthe, voilà, aller retirer l'argent chez Western. Quand il va, c'est à ton nom. Quand il va chez Western, on va te demander quoi? Une pièce d'identité. Même si tu cries comme ça, même si tu dis que non, c'est moi, Marthe. Mais je n'ai pas mon identité. Si on dit, maman, nous sommes désolés. C'est le mot. Nous sommes désolés, maman. On ne peut rien faire. Sans cela, on ne peut rien faire. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, on ne peut rien faire. Voyez, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est l'âge de l'identification. Or, ce que nous voyons dans le naturel, vous savez cela? Ça typifie le spirituel. Et vous devrez savoir que ce que nous voyons existe déjà dans le spirituel. Frère Bonhomme dit ceci, que quand ici sur terre, donc la personne où l'image la plus évoluée, c'est l'homme, au ciel, le plus évolué, c'est qui? C'est l'homme, c'est Dieu. Parce que Dieu est un homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce que nous voyons, c'est-à-dire, il y a ce qui est dans l'invisible, qui est invisible, que vous ne voyez pas. C'est là, ça là, c'est l'ombre. Le vrai vous, qui ne l'a jamais vu. Dites amen à ça. Ce que je suis le pasteur Salem. Mais en fait, je ne lui ai jamais vu. Ça, c'est le corps dont porte pasteur Salem. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Amen. Donc, l'identité, ce que nous voyons dans le naturel, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Vous devez avoir une identité. Vous avez une identité. Amen. Amen. Vous avez une identité. Il dit, nous constatons aujourd'hui que nous vivons à une époque où l'identification est exigée. Partout, nous ne pouvons rien faire sans identité. Surtout ici, dans nos pays développés, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas faire quelque chose sans qu'on vous identifie. Amen. Amen. Sans qu'on vous identifie. On doit savoir qui vous êtes. Voyez-vous? Qui vous êtes? D'où venez-vous? Où vous allez? Qu'est-ce que vous faites? C'est partout. Aucune banque donc ne peut vous accepter sans l'identité. Vous ne pouvez pas encaisser votre chèque, comme je viens de le montrer ici, si vous n'avez rien qui vous identifie. Même si c'est libellé à ton nom. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu ne prendras pas ça. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez montrer, tu peux appeler les gens, on dit non, c'est moi, oui, oui, oui. Mais, identité. Nous, on va t'identifier. Vous êtes avec moi? Il vous faut identifier officiellement. C'est le temps où nous vivons. On doit savoir qui tu es. Amen. Dans le spirituel, c'est l'âge aussi. C'est l'âge où on doit savoir. Savez-vous que ce qui reste à l'église aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Mais tout le monde ne partira pas à l'enlèvement. Non, monsieur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Oui, tout le monde ne partira pas à l'enlèvement. Même les dénominationnels pêchent l'enlèvement. Même les pentecôtistes pêchent l'enlèvement. Tout le monde parle de l'enlèvement. Mais tout le monde n'ira pas dans l'enlèvement. Ne peuvent aller dans l'enlèvement que ceux qui étaient en lui dès avant la fondation du monde. Amen. Que lui doit identifier. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il faut qu'on vous identifie qui tu es. Et nous allons voir comment on peut le savoir. Quand il viendra, ce n'est pas le monde qui partira. Ce n'est pas tout ce qui chante dans des choses ou de quoi, je ne sais pas, qui partiront. Seulement ceux qui seront identifiés à lui. Frère Balan nous parle de cette usine
où on faisait des métaux et des choses comme cela. Après le travail, donc il y avait une sorte d'aimant qui passait au-dessus des tables. Amen. Et tout ce qu'il y avait, le même nature que l'aimant, était attiré vers cet aimant. Amen. C'est comme ça qu'ils nettoyaient leur atelier. Donc quand ils ont fini, chacun déposait des clous, de ceci, des papiers, par-ci, par-là. Maintenant, cet grand aimant devait passer au-dessus. Amen. Et tout Amen. Ce qui était attiré, qui était au même nature que lui, ça a été attiré. Tout le reste était resté là. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Tout le reste. Amen. À moins que tu sois identifié à cet aimant-là. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu, c'est pareil. Amen. Jésus-Christ, c'est pareil. Quand il vient, il ne prendra pas tout le monde. Nous pouvons être ici sans ce matin, mais peut-être que c'est 10 qui partiront. Je prends la moyenne d'un dixième. Parce que c'est ce que la Bible dit. Est-ce qu'on est amené à ça? Amen. Peut-être que c'est un dixième, 10 personnes qui partent. Mais Branham dit, quand vous croyez, dites-vous que dans les 10, je suis dedans. Amen. Amen. Vivez de manière à être dedans. Amen. Marchez de manière à vivre, que quand il vient, que je sois pris avec lui. Amen. Tous les restes passeront. Amen. Amen. Toute la gloire que nous cherchons dans ce monde passera. Amen. Toute la richesse que nous voyons dans ce monde passera. Toutes les épargnes que nous vivons, nous faisons aujourd'hui, ça va rester. Amen. Je crois que c'est dans les proverbes. Je crois, j'ai oublié les trucs. Proverbe 11 ou quelque chose comme cela. On dit, vous savez, celui qui donne libéralement, librement, celui-là devient de plus en plus riche. N'est-ce pas? Mais celui qui épargne à l'excès. Ah. Oui, la Bible est très, 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 très complète, vous savez. Celui qui épargne à quoi? À l'excès, s'appauvrit. Ah. Donc, il y a quelqu'un témoin qui a lu ça aussi pour moi. Quelqu'un te bénisse, Tami. Dites amen à ça. Amen. Toutes ces choses-là passeront. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand il viendra, c'est vrai. Il a promis, il viendra, il tiendra, il est obligé de tenir à sa parole. C'est ce que je vous ai dit ici. La promesse, quand vous donnez un vœu, vous êtes tenu de tenir cette parole-là. Amen. Et Dieu est de ces gens. Lui, il ne peut pas parler à quelqu'un de faire sans que lui-même ne puisse le faire. Il est Dieu. Il viendra, mais il ne prendra pas n'importe qui. C'est voilà pourquoi nous sommes en train de voir déjà aujourd'hui. À quoi tu t'identifies? Tu es qui? Amen. Tu viens d'où? Tu vas où? Tu fais quoi? Yes, sir. Sur cette terre. Pourquoi tu es là? Chacun de nous doit savoir pourquoi nous sommes sur la terre. Amen. Dieu ne vous a pas placé sur la terre pour rien. Amen. En tournant à rond, vous avez une mission à accomplir. Amen. Et la mission de Dieu ne peut être que par rapport à sa parole. Il t'amène à ça. Amen. Voyez-vous? On doit vous identifier. On doit nous identifier. Nous devons, vous allez voir, Jésus dit que, frère Branham dit ici, plus bas, il dit, voyez-vous? Voyez? Ce corps mystique de Jésus-Christ, nous savons ce que le corps de Jésus-Christ, c'est l'épouse. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ceux qui se disent l'église, oui, l'église en général, non. Le corps, l'épouse, c'est cette église que Dieu attend. C'est ça le corps de Christ. C'est l'ensemble des croyants nés de nouveau, Amen. Baptisés du Saint-Esprit. Amen. Vous avez quoi? Amen. Voyez-vous? Et Jésus lui-même, il s'est identifié. Elle porte une identification. Jésus s'est identifié qui il était. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Dites amen à ça. Il s'est identifié. Jésus-Christ s'est identifié. Voyez-vous? Mais s'identifiant, dans le message s'identifiant de 1962, au paragraphe 39, frère Branham parle d'un garçon, n'est-ce pas, qui voit pour la première fois dans un miroir. Je ne vous ai pas la lecture, mais vous pouvez lire ça après.
Frère Branham raconte l'histoire de ce garçon qui était un villageois, qui a grandi au village, qui n'a jamais vu un miroir. On parle d'un miroir, hein? Oui. Qui n'a jamais vu ça. Il ne s'est jamais vu lui-même. Alors, il vient en ville chez sa tante qui vivait en ville. Il entre dans la salle de bain. Il découvre, mais il y a un miroir ici. C'est quoi? Il ne savait même pas c'est quoi. Il se voit, il dit, oh, il a crié, maman, c'est moi. Dites amen à ça. Amen. Il s'est vu exactement ce qu'il était. Il pouvait s'identifier. Il s'est identifié. Frère Madame continue pour dire, voyez-vous, c'est un garçon qui n'avait jamais vu cela. Il a vu pour la première fois ce qu'on appelle les miroirs. Il a vu son reflet. Amen. Amen. Lui-même s'est reflété dans un miroir. Voyez-vous? Dans un miroir. Alors, il dit, mais remarquez, nous devrons aussi ce matin nous-mêmes se mirer. Amen. 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 Se regarder. Vous, sœurs, non, pas seulement les sœurs, parce que les hommes aussi regardent au miroir, mais les sœurs quand même, c'est plus. Bon, est-ce que c'est vrai, non? Amen. Pourquoi on va se mettre devant le miroir? C'est pour s'examiner. C'est pour voir, bon, est-ce que les mèches là que j'ai mis là, est-ce que ça va? Est-ce que la fleur là que j'ai mis là, ça va? Est-ce qu'il n'y a pas de ceci? Il n'y a pas de ceci, chose de, pourquoi? Pour s'examiner soi-même. Quand vous regardez, vous dites, voilà, maintenant, je suis bien habillé, je suis bien propre, je peux sortir. Et les gens vont vous voir par rapport à ce que tu viens de faire. Dites amen à ça. Amen. Ça, c'est dans les naturels. Mais écoutez ce que Branham dit ici. Il dit, voyez, c'est là que nous voulons regarder ce matin, s'identifier nous-mêmes, dans le même message, plus bas. S'identifier nous-mêmes. Voyez-vous? Que tu te regardes toi-même. Qu'elle représente, n'est-ce pas, le miroir pour nous. Quelqu'un a déjà eu une réponse? Amen. C'est quoi? La parole. Amen. Voilà où nous allons. Maintenant, on voit bien les autres. Hein? On regarde bien les autres. Hein? On sait, ah oui, il a vu. Non, mais là, ce matin, on doit s'examiner soi-même. Amen. On voit bien la poutre. Toujours. Hein? C'est ça? Non. Amen. On voit quoi, les petits pas? La paille. Dans l'œil de son voisin, mais la poutre sur soi, on ne voit pas ça. Amen. Toujours. J'avais un ami qui est en France, hein, c'est un pasteur que vous connaissez ici, il vient souvent ici, frère Finet. Alors on s'est taquiné, je dis, ah! Lui, donc, tellement que, même pour faire les lacets, il me dit, oh vraiment, c'est terrible. Même les chaussettes, les lacets, il me va ailleurs. Lui, il me disait toujours, Moutan Kunki. Moutan Kunki, à mon avis, qui n'a été. C'est-à-dire que celui qui a la bosse derrière, il ne voit jamais ça. Il voulait dire, mais toi, tu étais beaucoup de moi, Jésus, mais toi aussi, tu es gros. Moi, je dis, non, moi, quand même, ça va. Hein? Ça va, en fait. Mais, donc, en fait, c'est ça. On voit bien l'autre. On sait bien critiquer l'autre. Mais on s'oublie soi-même. Amen. Des erreurs que toi, tu vois dans l'autre. Mais il y a des fois, toi, tu fais plus. Amen. Hein? C'est que tu critiques. Il y a des fois, les critiqueurs. Hein? C'est ce qu'ils font. En fait, c'est ce qu'ils jettent sur les autres. Ah, elle est comme ça. Elle est ceci. Lui, il est comme ça. Lui, il est ceci. Mais il ne se voit pas lui-même. C'est pourquoi Branham nous donne le conseil ce matin de s'examiner soi-même. Amen. De se mirer. Le miroir naturel typifie pour nous la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc vous comprenez spirituellement comment on peut se mirer spirituellement. C'est en rapport avec quoi? Avec la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Il continue ici pour dire, voyez-vous? Cela représente donc
la parole de Dieu. Dans le message, Jésus à la porte du 29 mai 58 au paragraphe 33. Mon frère, est-ce que tu peux trouver ça? Oui. 63, c'est ça? Non. 29, paragraphe 33, partie B. Si je peux voir ça, ça sera une bonne chose. C'est ça? Hein? Oui. Ok. Il dit ceci. Ne laissez pas les diables quelque part, un peu plus bas. Vous donc, voyez, voilà, si. Un peu plus bas. Mais vous pensez être quelqu'un. Hein? La question était, qui êtes-vous? N'est-ce pas? Vous pensez être quelqu'un. Mais après, le diable peut vous faire avaler n'importe quel genre de religion morte. Exact. Il dit, ne laissez pas le diable vous tromper. Amen. Amen. Ne prenez pas n'importe quoi. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, c'est contraire à Dieu. Amen. Voyez-vous? Alors que Satan vaut des 10 millions d'âmes. Votre âme vaut des millions. Amen. Mais votre corps ne vaut rien. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Frère Branham le dit, votre corps vaut même un euro. Amen. Vous savez ça? Amen. Tout le corps ici. Votre corps ne vaut rien, mais votre âme vaut de quoi? Des millions. Mm-hmm. Votre corps ici, il y a un peu de potasse, un peu de sodium, un peu de sel, un peu de manganèse, un peu de ceci. C'est ce qui forme le corps. Après, on brille, ça c'est fini. Même pas, quand on, vous voyez ce qu'on brille les gens, hein? C'est des poussières comme ça. Et ça là, vous ne pouvez même pas vendre. Qui va l'acheter? Vous ne vaut même pas un euro. Mais c'est ce corps là que vous soignez. C'est ce corps-là que vous passez le temps, c'est ce corps-là que vous nourrissez, au lieu d'abord de penser à votre âme. Votre âme vaut de quoi? Des millions. Mais on prend soin plus du corps. Voyez-vous? Des millions. Des dollars. Et vous recevrez cela. Qu'êtes-vous de toute façon? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et où allez-vous? Tous les prophètes, tous les autres, nous n'avons aucun livre en dehors de la Bible qui nous le dit. Amen. 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 Elle vous dit qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous êtes et où vous allez. Amen. C'est le miroir de qui? De Dieu. Amen. Vous deviez regarder dedans, de temps en temps, plutôt que d'avoir tant de credos et autres. Oui, Jésus veut avoir accès à cette porte de votre orgueil. Amen. 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 Qui tu es? Tu viens d'où? Tu vas où? Tu fais quoi? Le seul livre qui peut nous montrer d'où nous venons, qui nous sommes, où nous allons, c'est quoi? La Bible. Il t'amène à ça. Amen. Dans d'autres termes, il dit la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous découvrons qui je suis. Amen. C'est dans la Bible que nous découvrons qui va où. Je vous dis la vérité. Amen. Tu le sauras déjà ici. Amen. Si tu iras en enfer ou au ciel. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est aujourd'hui que tu le sais, que tu dois le savoir. Mais comment nous savons, comment je dois savoir ces choses? C'est-à-dire en me référant à quoi? À la parole. En lisant la parole, en m'identifiant à la parole. Souvenez-vous de ce que Branham raconte d'un homme qui, il était là, il prêchait. Vous connaissez l'histoire? Ceux qui lisent la parole. Personne ne connaît cette histoire-là. Il prêchait là et il parlait de l'aigle. Et il parlait du corbeau. Vous vous souvenez de ça? Donc, il n'y a pas de lecteur ici. Il dit, quand il prêchait, ils étaient des amis qui sont venus à l'église pour la première fois, peut-être. Alors, il écoutait comment il prêchait. Mais quand il sort dehors, il pose la question à l'autre ami. Il dit, comment tu as compris? Est-ce que tu as aimé? Il dit, oui, en tout cas, moi, j'étais vraiment content. Hein? Dit, cet homme-là me parlait. Hein? Il me comparait à l'aigle. Amen. Lui dit, oh,
Tu as été comparé, mais à moi, il m'a comparé comme un corbeau. C'est-à-dire, quand la parole sort, tu t'identifies. Amen. Ça vous dit, j'identifie. Dieu doit nous identifier. Amen. On doit vous connaître qui vous êtes. Et dans cet âge ici, frère, nous saurons qui vous êtes. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tout ce qui se fait en secret, c'est la promesse de Dieu. Viendront à la lumière. Amen. Alléluia. On saura qui tu es, de quelle bois tu te chauffes. Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Il dit, c'est cela. On doit le savoir. Comment la Bible, la parole, c'est le miroir de Dieu. Vous devez regarder dedans. Quand je lis la Bible, vous voyez que Dieu est en train de vous parler. Amen. Quand je lis le message, Dieu est en train de vous parler. Amen. Comment ça, vous servez ça, tu vas voir. Dites amen à ça. Amen. Soit tu rejettes, soit tu fais quoi? Tu acceptes. Amen. Frère, tu peux être seul là, tu le sais. Quand Dieu parle, peut-être qu'il est en train de te condamner. Toi, tu dis, oh, ça, hein, c'est pas pour moi, ça. Dieu sait, et Dieu le sait. Amen. Quand ça te donne de l'ange, quand ça te donne la victoire, tu sais que Dieu est en tête. Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous remarquez ça? Amen. Montez vers le verset qui remarque ça. Amen. Voilà. Quand vous êtes chrétien, vous savez. Amen. J'ouvre la Bible. Les paroles de Dieu, vous voyez, il y aura des épreuves, ceci. Ah, il parlait de l'autre. Non, il est en train de parler. Amen. Amen. Et tu vas avoir des épreuves. Amen. On sait que c'est ça, Dieu, Seigneur, aide-moi. Amen. Que je puisse vaincre ces épreuves. Amen. On va le fuir? Non. Amen. C'est pour notre bien. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est pour notre bien. Amen. Amen. Dieu sait cela. Il dit, voyez-vous, nous, c'est-à-dire notre miroir, on doit s'examiner soi-même. On fait, arrêtez de regarder aux autres. Amen. Ah. Regardez de condamner les autres. Toi, par rapport à cette miroir, quand tu te mires dans ce miroir, tu vois quoi? Tu vois des défauts, tu vois des choses, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites naturellement? Quand il remarque quelque chose qui ne va pas, tu dois arranger. Exactement. Oui, mais faites-le aussi spirituellement de cette manière. Amen. Quand la parole de Dieu te condamne qu'il ne faut pas fumer, et que tu vois là qu'il est condamné de fumer, amen, quand je suis un fils de Dieu, j'arrête de fumer. Exactement. C'est toi qui prends la décision. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ah oui. Si tu te mets dans le miroir, tu vois que non, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas, ça brille un peu, je vais mettre un peu de lait et tout ça. Mais tu rentres, tu prends du lait et tu mets. Dites amen à ça. S'il y a quelque chose qui te colle là, tu enlèves ça. C'est ce que nous devons faire aussi spirituellement. Mais la plupart ne le font pas. C'est vrai. Ou la plupart ne veulent même pas se mirer dans cette miroir. C'est ça. Madame disait que si on demandait aujourd'hui. Sœur, combien de minutes tu as passé à lire la parole aujourd'hui? Qui a lu la Bible ce matin? Levez les mains. Soyez sincères. Dieu vous voit. Vous voyez le sang? Vous voyez? Donc, un cinquième sur toute la salle qui ont lu la Bible. Mais on va à l'église. On va à l'église, là où Dieu peut nous parler. Mais Dieu doit commencer à vous parler déjà depuis chez vous. Amen. Depuis la maison. C'est vrai. Amen. Amen. Il est Dieu. Et regardez, la plupart n'aiment pas. C'est comme quelqu'un qui s'en fout. Bon, il ne veut pas savoir. Non, il veut faire sa vie. Et il continue à faire sa vie. Voyez-vous? Combien de gens ne veulent pas? L'homme ne veut pas. Il veut faire ce qu'il veut. Voyez-vous? Il dit, voyez, toi-même dans le miroir de la parole. Voyez-vous? Ce miroir représente donc la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Ne vous laissez pas le diable.
diable, vous faire avaler n'importe quel genre de religion, des religions mortes. Alors que cette âme vaut de quoi? Des millions. Votre âme faire vaut des millions. Est-ce que vous le savez? Ça vaut des millions. Mais les gens négligent cela. On néglige au lieu d'avancer. Qu'êtes-vous donc? De toutes les façons, voyez-vous, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Nous devons le savoir, tu viens d'où. Or, dans la Bible, seul, nous pouvons voir l'origine de qui? De l'homme. Est-ce que vous savez cela? On vient d'où? Frère Madame dit que Dieu, qui est esprit, en lui, il a tous les attributs. C'est pourquoi on l'appelle Elohim. Amen. Vous savez cela? Amen. Elohim, c'est tout Dieu, avec tous les attributs. En tant qu'Elohim, en tant que spirituel, il est le sauveur, Amen. Il est le guérisseur, Amen. Il est le Seigneur, il est celui qui vous donne tout, Amen. C'est lui qui a créé toutes les choses. Amen. Mais tous ces attributs doivent se manifester à chaque occasion Amen. Que Dieu crée. Dites Amen à ça. Amen. Et en tant qu'Elohim, nous tous en lui. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Nous venons de Dieu. Il n'y a qu'un seul livre qui nous montre ça. Que Dieu est esprit, nous aussi nous étions esprits. La Bible dit dans Genèse 1er, quand Dieu a créé l'homme, le premier homme, il a créé à l'image de qui? De Dieu. Et Dieu est esprit. C'est ça, non? Amen. Dieu est esprit. Nous étions esprits. Donc nous venons de lui, de Dieu. Nous étions à lui. Quand il crée cet homme esprit et qu'il crée la terre, il fallait qu'il y ait un homme sur la terre pour cultiver cette terre. Dites amen à ça. Amen. Alors Dieu devrait l'habiller à la manière de vivre sur la terre. Amen. Voilà pourquoi il a pris une motte de terre. Genèse 2. La Bible dit d'abord, Dieu créa. Dans 2, il dit, il forma. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il a pris la motte de terre. Toi là, qui se prend, je ne sais pas pour qui. Tu n'es qu'une motte de terre. Amen. Tu n'es qu'une motte de terre. Tout l'orgueil. Voilà ce qu'il a dit ici. Vraiment. Il faut que Jésus possède cette porte. Votre porte de quoi? De l'orgueil. Tu n'es rien. Amen. Vraiment. Poussière de la terre. Amen. C'est ça, ce corps. Alors Dieu nous a mis dans ce corps. Et dans ce corps, pour être, vivre sur cette terre. Parce que quand nous quitterons cette terre, nous ne serons pas dans cette chair. Amen. 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 Est-ce que vous savez ça? Amen. C'est comme si elle était donnée juste pour un temps. C'est éphémère. C'est temporaire. C'est passager. Parce que notre origine, nous venons de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et sur cette terre, Dieu nous a mis pour accomplir une mission. Et la mission que Dieu t'a mise sur cette terre, c'est d'accomplir sa parole. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Et nous allons où? C'est ça la question. Tu es qui? Tu viens d'où? Tu dois maintenant t'identifier. Tu viens d'où? Parce que nous savons aussi que il y a la semence. Le serpent. Si tu étais un Dieu, tu dois t'identifier à Dieu. Amen. Tes caractéristiques doivent montrer qui tu es. Amen. 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 Oh, Branham nous montre qu'il n'y a qu'un seul livre dans le monde. Beaucoup d'autres livres, on en parle. Oh, je sais, peut-être qu'ils appellent aussi dans les manières sacrées. Peut-être qu'ils appellent ça, c'est de. Mais il n'y a qu'un seul qui nous montre d'où nous venons, qui nous sommes, où nous allons. Amen. C'est la Bible. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Vous allez découvrir qui tu es. Quand chaque fois, tu dis quelque chose qui te condamne, toi tu balais ça. Tu condamnes ça. Donc tu sais de quelle nature qui est en toi. Amen. Exact. Amen. Parce que frère Madame dit, le Saint-Esprit ne peut pas nier sa propre parole. Amen. Impossible. Amen. Amen. Ah, on va faire ceci. Oh, mais ça, c'est quoi ça? Moi, je ne crois pas ça. Aha, mais c'est écrit.
Donc tu dois découvrir quelle est ta nature. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? Jésus, Dieu quand il a créé, voilà l'origine. Nous étions en lui. Et il nous a mis sur cette terre. Mais ici nous sommes des passagers. Nous allons retourner à lui. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voilà, quand vous comprenez ça, que vous êtes un étranger. Bon, et je prends un exemple que vous pouvez comprendre. En France, il y a une communauté qu'on appelle la communauté des Maliens. Vous connaissez les Maliens? Les Maliens, ce sont nos voisins, c'est des Africains, comme des Congolais, comme il y a des communautés, ceci, cela. Alors, cette communauté malienne, ils ont une caractéristique qu'on les qualifie, que et quand ils viennent en France, ils ne viennent pas pour vivre là. Ils laissent la femme et les enfants au pays. Tout l'argent, ils envoient au pays, ils construisent nos pays. Allez voir des villages maliens. Parce qu'ils ont compris qu'ici nous sommes des quoi? Des passagers. Amen. Ils construisent chez eux. Ça, c'est vérifiable. Hein, frère? C'est vérifiable. Il y a quelqu'un qui a fait même une thèse de l'université pour des doctorats pour sur ça. C'est vérifiable. Ils viennent avec l'idée que non, je vais travailler, je vais accomplir pour nourrir ma famille. Il nous construit chez lui. Ici, ils vivent dans des petits tolis comme ça. Hein? Des foyers. Ceux qui connaissent un peu la France, vous devez comprendre ça. Ils vivent dans des foyers, ils sont là 5, 10, pour tout ça. Pour vivre, ils construisent chez lui. Mais c'est ce qui doit être un chrétien sur cette terre. Amen. Dites amen à ça. Si tu comprends que je suis un passager, mais alors à quoi ça va m'aider à amasser des richesses sur cette terre pendant que tu ne vivras pas là? C'est pourquoi il vous a dit investissez dans le royaume. Des cieux. Amen. Investis chez toi. Dites amen à ça. Amen. Investissez chez vous. Investissez chez toi au ciel. Parce que cette terre ici, nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Il peut tuer son frère. Il peut tuer sa soeur. Il peut tuer sa femme. Il peut tuer son mari. À cause de l'argent. C'est ça que vous voyez ici en Europe. Hein? Vraiment. Hein? Parce qu'il veut garder l'assurance. Il va faire des choses pour tuer sa femme, pour tuer son mari, pour qu'il gagne l'argent. Et après. Et après. Et ils oublient que même cet argent-là, ça finit. Ça a commencé un jour, ça finira un jour. Et après. Voilà, celui qui comprend sa mission, celui qui connaît d'où il vient, il sait ce qu'il fait. Amen. Oh, ces membres des Maliens, ah, ils sont toujours ceci, ils sont toujours ça, ils sont ceci, ceci. Amen. Ils sont très intelligents. Très intelligents. Les Congolais, ils se vendent dans la sapre. Exact. Ils ont créé leur religion qui t'aide. Ils vont t'acheter un pantalon de 10 000 dollars. Ah, c'est pour ça qu'on les identifie là. Ici, on les identifie, les Congolais, c'est ça. Là, le ça. Hein? Il peut tout faire. Et le mongonzo. Du matin au soir. Vous voyez le soir? Donc, quelqu'un peut dire, bon, c'est le Congolais. Ah, on vous connaît. C'est une identification. Ah oui. On vous identifie. Et si tu es chrétien, on doit nous identifier aussi comme des chrétiens. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu dans l'Écriture. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Exact. Amen. 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 Si Christ est en moi, donc je dois voir son caractère. Amen. Je dois marcher comme lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Amen. C'est ça qui vous identifie. Comment ils ont identifié les chrétiens pour la première fois? On ne les appelait même pas des chrétiens. Est-ce que vous savez cela? Amen. Mais leur façon de vivre, amen, leur langage. Des chrétiens aujourd'hui qui ont un langage de bandit. Et ils se disent chrétiens. Un langage choc. Donc, c'est des choses terribles. Mais un chrétien, non. On les a reconnus.
leur langage. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Leur habillement. Amen, amen. Leur façon de faire. Leur façon de parler. Comment ils mangeaient. Comment ils parlaient aux autres. Et toutes ces choses-là. L'amour était au milieu d'eux. Exact. Alors on les a dit, ah! Exact. C'est là, amen. Ils vivent comme lui. C'est ça. Ils vivent comme lui. Bon, frère, est-ce que toi vraiment, depuis que tu as écrit ce message, ne fût-ce qu'une personne vous a déjà montré, dit, penser que papa, tu pries où? Est-ce que tu pries quelque part? Tu es un chrétien? Mm-hmm. Tu es une soeur? Mm-hmm. Dites amen. 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 Mais vous identifiez par votre façon de quoi? De parler. Amen. Oh, la manière dont tu parles, dont tu identifies, ah, celui-là. La manière dont tu t'habilles. Amen. 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 Comment tu t'habilles? Mais ça t'identifie automatiquement. Est-ce que c'est compliqué? Voyez une fille sortir à rire à short, vous allez penser une seule seconde que c'est une chrétienne? Non. Jamais. Tu vois une soeur en pantalon, est-ce que vous allez vous imaginer que réellement c'est une soeur qui écoute la parole? Non. Ça vous identifie. Si vous voyez un homme dans la rue, un pasteur dans la rue, en coupé, en short, est-ce que ça va vous dire quelque chose que c'est un pasteur? Ou c'est un chrétien? Un pasteur, c'est encore loin. Un chrétien, un frère. Vraiment. En short. Ça vous identifie à quoi? Répondez. Voilà. C'est ce qui vous identifie. Il n'y a pas de questions à poser. Voilà. La façon dont tu parles, frère madame dit, quand je parle avec toi, 5 minutes, je sais. Qu'est-ce que c'est à toi? Exactement. Amen. C'est ça. Amen. Est-ce que vous voulez t'amener à ça? Oui. Je sais. Je dois le savoir. Oui, oui, oui. Comment tu parles? Quand tu parles, je sais ce qui est à toi. Oui, oui, oui. Parce qu'on sait qu'exprimer ce qui est à nous. Amen. La bouche parle de là. Du de l'abondance du cœur. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. À quoi tu t'identifies, frère, sœur? Aujourd'hui, prends cette écriture, prends le miroir de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Mire-toi un peu, regarde-toi, comme vous le faites dans les naturels. Et vous voyez, les gens, ils font des choses, et vous vous posez la question, qu'est-ce que vous allez devenir? La parole de Dieu lui-même va vous identifier. Mmh. Vous êtes avec moi? Amen. C'est là que nous voulons donc regarder. Au paragraphe 40, Jésus nous a montré l'exemple au travers de la parole. Lorsque nous regardons dans le miroir de Dieu, nous devons nous voir nous-mêmes. Amen. Amen. Identifiés à lui. Amen. Lorsque nous regardons dans le miroir, nous devons se voir identifié à nous, à la parole. Ça veut dire que ma vie doit refléter quoi? La parole. Est-ce que quelqu'un peut dire la menace? Quand la Bible me dit qu'un chrétien ne peut pas épouser un païen, si je suis fille ou fils de Dieu, je dois refléter cette écriture. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est-à-dire que je n'irai pas chercher une femme ou un homme dans le monde. Amen. Un païen. Non. Parce que je crois à la parole de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Les gens parlent de... On parle toujours quand vous parlez de cette écriture, ceux qui sont déjà légers dehors. Ils vous disent, mes frères, bon, et l'autre, qui ça? Ruth, hein? Frère, c'est qui encore la dame qui est venue de... La non, pas Rahab. D'abord, Naomi. On vous dit ça. Mais Naomi, c'était une Moabite. Mais regardez comment. Oui, c'est Ruth alors, c'est pas Naomi. Naomi, c'était sa maman. Sa belle-mère. Bon, il faut lire la parole.
Naomi, c'était sa belle-mère. Et Naomi avait fui Israël à cause de la famine. Oui. Est-ce que vous le savez? Amen. Dans la période des difficultés, là, allez, pendant les épreuves, on quitte la parole. Moindre relâchement dans le monde. Moindre occasion dans le monde. Mais frère, vous devez savoir qui vous êtes. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, Ruth n'est pas venu en Israël comme les gens le pensent. Il y a un mot, j'ai déjà parlé de ça ici. Hein? Oui. C'est par. Comment? Incorporation spirituelle. Incorporation spirituelle. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous avons parlé de ça. Donc, Ruth, il a d'abord crié à la parole. Amen. C'était une païenne. Mais quand sa maman lui dit, bon, écoutez, moi je n'ai plus de fils à vous donner, vous restez chez vous. Elle a dit, non, 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 non. Moi je vais aller là où tu seras, je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Ruth ne savait jamais, ne savait pas que quand il va venir en Israël, Boaz va l'épouser. Spirituellement. Amen. D'abord. Amen. C'est-à-dire Dieu d'abord. Amen. Je le disais dans tous ces messages ici dernièrement. Amen. Quand nous avons dit abandonner tout. Amen. D'abord Dieu. Dieu. Votre Dieu sait que tu as besoin de te marier. Amen. Dieu sait que tu as besoin de manger. Amen. Dieu sait que tu as besoin de se vêtir. Amen. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Amen. Cherchez Amen. D'abord le royaume de Dieu. Amen. Le reste, Dieu va nous donner par-dessus. Amen. Dieu sait que j'en ai besoin. J'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de manger. Mais moi, mon but de venir, je ne viens pas pour chercher une voiture. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je crie la parole. C'est ça, c'était le cas de Ruth. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est après, quand il vient là, Dieu nous fait grâce. Amen. Peu importe, frère, même que tu es dans le monde, même que tu n'as pas encore créé, accepte d'abord la parole. Amen. C'est Dieu qui fait grâce. Amen. C'est Dieu qui donne Amen. Tout. Tout ce qui entre entre nos mains nous est donné de la part de Dieu. Amen. 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 Mais ne dites pas simplement, oh non, non, non. Moi, je vais, on va prier pour moi, je vais voyager. Surtout dans des pays comme les pays africains. Il vient à l'église, il se fait membre et il donne tout ce qu'il a. Pour qu'il voyage. Mais on ne cherche pas Dieu pour le voyage. On ne vient pas Dieu pour le manger. On ne vient pas pour des choses Amen. Comme cela. Toi qui vas aller parce que Dieu. Mais des pays ici, à l'Europe, ici, on jette des poubelles dehors, ça. De la nourriture. Ils vont dire quoi? Vous voyez les choix? Que c'est rien. Premièrement, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tous les restes vous seront donnés par dessus. Amen. C'est ça. Même Rahab, vous savez qu'il avait écrit la parole. Oui, oui, oui. Oui. C'était une prostituée. Oui. Donc, une prostituée de grande classe. Oui. Ce n'est pas une prostituée qu'il faut. Non, elle, c'était sa vie. Oui. Elle vivait de ça. Amen. Amen. Mais quand il voit les espions, il a dit quand vous viendrez ici, ne m'oubliez pas. Amen. 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 Ah, avait crié à la parole. Amen. Il savait le Dieu des Israélites, il savait de quoi que Dieu est redoutable. Amen. Je veux qu'il soit aussi Amen. Mon Amen. Dieu. Amen. On ne Amen. Vous condamne pas de la vie C'est que ça. Vous avez passée. Tout ce que vous avez fait dans Amen. L'ignorance, Dieu vous pardonne. Amen. Mais maintenant, Dieu t'appelle. Amen. Est-ce que vous appelez ça? Amen. Mais tu dois laisser cette vie-là. Amen. Rahab ne plus revenir dans la prostitution. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous voyez les choix? C'est ça la différence. Amen. On doit s'identifier soi-même. Mm-hmm. Tu dois t'identifier toi-même. Amen. Vous pensez que nous venons là pour un plaisir? Hein? Ah non. On pouvait rester à la maison comme tout le monde. On pouvait courir dans les parcs comme tout le monde. Mais nous sommes là. Non, ce n'est pas pour rien. Pendant qu'il fait beau comme ça, mais allez le voir dans les parcs. Vraiment. Mais
toi qui as décidé de venir. Donc tu dois passer ton temps pour rien. Hein? Tu as laissé le monde pour quelques heures et après demain tu vas dire, ah ben il fallait même pas que je sois là. Je pouvais aller faire autre chose. C'est aujourd'hui qu'on doit s'identifier. Amen. Pas que quelqu'un t'identifie. Et vous qui avez l'habitude d'identifier les autres, hein, prenez garde. Le vosges sont toujours sur les autres. Ils n'ont rien à faire. Ah non. Hey, lui, mais toi, est-ce que tu t'es déjà posé la question? C'est la chose. Hein? Amen. Voyez-vous? Avez-vous déjà posé la question sur cela? Regardez ici. Parfois, nous demandons quel aspect nous avons. Branham, c'est un prophète. Hein? Amen. Amen. Eh bien, parfois, nous nous demandons, paragraphe 9 du message ici, nous demandons quel aspect nous avons lorsque nous cherchons à nous mirer pour voir l'aspect que nous avons. Pourquoi on va voir dans le miroir? Il y a des fois, même ici, nous sommes là, on sort, il va là-bas. C'est pour voir, est-ce que j'ai dérangé un peu le cheveu quelque part? J'ai, on vous connaît. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Or, ce que nous faisons dans le naturel, c'est exactement ce que nous devons faire dans le spirituel. Prenez votre, prenez mes temps, frère. Frère Branham, c'était pauvre. Amen. Vous savez, pendant le confinement, Dieu a fait des merveilles. Hein. Moi, j'ai des témoignages. Hein. Des frères et sœurs qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Hein? Baptisés du Saint-Esprit pendant le confinement. Vous voyez, il y a des fois certaines choses, c'est pour notre bien. Hein. On disait si, ah, le confinement, mais il y a des fois, ça a aidé beaucoup. Oui, oui, oui. C'est pourquoi tout concourt au bien de ce qui est bien. Tout ce qu'il vient faire prend d'abord des bons côtés. Oui. C'est pour, et si on observe, tu vas voir que c'est pour ton bien. Oui. Même si c'est dur comme ça, amen, comment? Prends ça. Tu vas voir que c'est pour ton bien. Amen. Dites amen à ça. Oui. Beaucoup ont été baptisés du Saint-Esprit. J'ai deux exemples. Beaucoup ont cru. Pourquoi? Prenez le temps de lire la parole. Oui. Prenez le temps de prier. Oui. Ah, hein? J'ai dit que n'est pas fait pendant midi. C'est entre 2h et 4h que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Je vais chercher cette citation, je vais vous le dire. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a conduits à avoir la prière de quoi? De la nuit. Si vous avez négligé, c'est votre problème. Ceux qui sont spirituels doivent comprendre que c'était la volonté de Dieu qu'on puisse faire ça. C'était au mois de février cette année. Oui. Le jour de cette veillée-là que je vous avais dit, soyez là. Dieu a quelque chose à vous dire. Amen. À l'époque, le coronavirus n'était pas encore annoncé. Vous savez ça? Je vous ai dit, ce Dieu, c'est Dieu. Moi, c'est Dieu qui me réveille. Amen. Je ne mets pas mon réveil. Mon épouse est là. Je ne mets jamais. Quand je me réveille, toujours à cette heure-là. Il dit, la Bible, prière, lecture de la parole, même une heure, amen, ça va vous aider. J'ai des témoignages ici, parmi vous ici, ceux qui ont fait ça. Je vous dis la vérité. Bon, maintenant, j'ai adopté un système que quand Dieu fait quelque chose, je ne vais pas citer de nom. Amen. Ah, j'ai compris que le diable attaque ça. Oui. Et parce que quand vous prononcez, le diable attend. Mm-hmm. Et tu as dit ça, allez, on va voir. Voilà. Alors, la personne entre dans un combat, et si elle n'est pas encore affermie, amen, elle retombe. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. J'ai adopté maintenant. Tu m'as enseigné, non, regarde. Il y a des gens qui voient des visions ici. Il y a des gens qui voient des songes ici spirituels. Et moi, dans mon bureau, là, j'ai des cahiers comme ça. Des cahiers où j'écris ce que Dieu me dit qu'écrit ça. Je sens. Il y a des choses où vous parlez, je vous écoute. Mais il y a des choses où j'écris.
Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et vous voyez les choses là arriver comme Dieu l'avait dit. Mais si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, Dieu va vous parler comment? Amen. Dieu nous parle au travers. Quand nous lisons, nous méditons la parole de Dieu. C'est quand nous prions. Et Branham a dit cela. Pour avoir l'intimité avec Dieu, il faut faire quoi? Lire la parole et faire quoi? Et prier. Vous tous qui étiez là dans les confinements, 3 mois, 4 mois, les autres là, 4 mois, 3 mois, qui a lu ne fiche qu'une seule brochure? Levez la main. Ah, il y a quand même quelqu'un. Vous voyez? Mais nous ne sommes pas nombreux. Pourtant, c'était le temps de confinement. Du matin au soir, on n'avait rien à faire. Mais prenez ce temps-là, faites-les profiter. Dites amen à ça. Pour la gloire de Dieu, pour votre vie. De se mirer. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Je dois me mirer pour voir quel aspect j'ai. Pour spirituellement, je dois lire la parole. Je suis dans quel état? En quel état? Comment je suis là? Il t'amène à ça? Voyez-vous? Parfois, non, on se demande cela. Au paragraphe 9, donc, je disais, pour voir l'aspect que nous avons, ça me rappelle donc une petite histoire que j'ai entendue. C'est la même histoire que le frère que je vous ai donné ici, de ce garçon qui s'est miré pour la première fois. Il s'est vu là. Quand nous lisons la parole de Dieu, on doit se voir dans la parole. C'est vrai. On doit s'identifier à la parole. Amen. Et si la parole te condamne, tu sais que Dieu est en train de te condamner. Mm-hmm. Et c'est bien pour toi. Mm-hmm. Prends ça. Est-ce que vous t'amène à ça? Merci Seigneur. Voyez-vous? Peu importe. Mais à sa mort. Non, c'est ça, je vous laisse un peu parler la lecture. Et si je me demande, simplement aujourd'hui, si nous ne pouvons pas regarder dans la Bible et dire, c'est moi. Est-ce que quelqu'un peut arriver à ce moment-là? Que nous regardions à la Bible et que tu dises, c'est moi. Amen. C'est moi. Amen, amen, amen. Qui peut le faire? Parce que c'est bien sûr. Quand il s'est vu, oh là là, mais ça c'est moi. Or, notre noir, c'est la quoi? La parole de Dieu, c'est la Bible. Que tu te mires dans cette parole, que tu te vois là, dans la parole, que ici on parle. Nos noms sont écrits dans la Bible. Est-ce que vous savez ça? Amen. C'est écrit, mais ce n'est pas Salem. C'est mon caractère. Amen. Dites amen à ça. Amen. Non, ce n'est pas le nom de Noé, ce n'est pas le nom de, je ne sais pas, Olivier ou Béni ou je ne sais pas qui. Non, c'est votre caractère est écrit là. Amen. C'est en lisant que vous découvrez qui vous êtes. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous? Voyez, ainsi, à quel personnage? C'est moi, voyez-vous? À dire, c'est moi. Alors que nous nous demandons, c'est qui? À quel personnage de la Bible nous ressemblons? Et prenons juste ça comme un petit sujet maintenant, voyez-vous? Pour voir à qui tu ressembles. Amen. Dites amen à ça. Amen, amen. À qui tu ressembles dans ta vie? On peut te comparer à qui? Frère Madame dit, nous pouvons parcourir la Bible. Et voir les enfants de Dieu. Leur cheminement. Beaucoup pensent que c'est, il faut être aisé. Il faut avoir une vie aisée pour être chrétien. Ça n'a rien à voir. Dieu peut nous donner ce que nous avons besoin. Mais ce n'est pas une loi. La Bible dit, toutes ces choses, au paragraphe 15, toutes ces choses sont arrivées autrefois pour nous servir de quoi? D'exemple. Quand nous voyons ce qui s'est passé dans la Bible, c'est pour nous comme quoi? Un exemple. Pour que nous puissions aussi suivre ça. Que je sois aussi comparé à ces héros de la Bible. Que je sois comparé à Caleb, à Josué, à Moïse, à Marie et à tous ces gens-là. Vous voyez, n'est-ce pas? À Josué. Exact. Ces choses sont arrivées autrefois pour nous servir d'exemple. Ce sont des exemples pour nous.
Notre caractère nous modèle à l'image de ce que nous sommes. Le caractère de la vie qui est en nous. Eh bien, si vous prenez un petit germe de la vie, voyez-vous, si c'est un germe d'un oiseau, il produira un oiseau. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Si c'est du bleu, ça va produire quoi? Du bleu. Tu ne peux pas t'attendre à récolter des sorgho, à récolter du riz, pendant que toi tu as planté du bleu. Ce que vous semez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter. Amen. Vous ne serez jamais étonné ces jours-là. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ah non. Vous savez ce que vous faites. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons qu'est-ce. Parce que chacun de nous, par rapport à ce que vous exprimez, vous pouvez savoir d'où vous venez. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous pouvez voir cela, d'où vous venez. Nous trouvons donc la même chose. Par exemple, la vie d'un cancer, voyez-vous, un germe, des germes de cancer, il donne la forme d'un cancer. C'est une vie de démon. Voyez-vous, la vie d'une tumeur donnera la forme à la tumeur, ainsi de suite. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Amen. C'est la Bible qui le dit. Hein? Amen. Chaque semence. Un oiseau, il peut produire qu'un oiseau. C'est-à-dire, c'est voilà pourquoi on ne croit pas à la... C'est quoi encore la théorie là? La théorie d'évolution. Hein? Ce n'est pas biblique. Oh, l'homme vient du singe. Ah, c'est faux. Et le singe jusqu'à aujourd'hui n'a jamais changé. Voilà. Il est resté toujours singe. Quand il meurt, il donne toujours des singes. Vraiment. Pourquoi ça ne change pas aujourd'hui? Le monde existe depuis des milliards d'années. L'homme restera toujours un homme. Dieu a créé toutes les choses, en commençant par les petites choses. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. L'homme, il a été créé de cette manière-là. Il est l'homme, il a été créé à l'image de Dieu, il restera un homme. Amen. Ne croyez pas à cette théorie-là. Ah, sinon, parce que la Bible, chaque espèce, ouais. Amen. Amen. Chaque espèce se reproduit selon, chaque semence, pardon. Chaque semence se reproduit selon son espèce. Amen. Un chien restera toujours un chien. Un cochon, c'est un cochon. Mais l'homme restera toujours un homme. Amen. Et aujourd'hui, nous savons le chien manquant. Ce n'était pas le chimpanzé. Mais non, c'était le serpent. Parce que le serpent était comme un homme. Le serpent marchait à deux pieds. Le serpent parlait. Amen. C'est lui qui venait entre l'homme et les animaux. Amen. C'est l'animal le plus rusé qui était dans le jardin d'Éden. Amen. Ce n'est pas le chimpanzé qui est devenu un homme. Non, ça n'existe pas. Jamais. Et ça n'existera jamais. Amen. 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 Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. L'homme, c'est le plus évolué de tout ce que Dieu a créé. Amen. Et l'homme là, c'est l'homme en général, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, c'est un homme. Amen. Qui est créé à l'image de qui? De Dieu. Amen. Voilà tout. Amen. Ah, si vous ne dites pas amen, même les enfants diront. Amen. Amen. Quand même une acclamation, Seigneur. Est-ce que vous croyez à ça? Hein? Voyez? Donc, tu dois t'identifier faire. On n'a pas besoin de... Toi-même, tu dois t'identifier aujourd'hui. Parce que le jugement dans la maison de Dieu, c'est aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Quand je vois... C'est comme un enfant dans la maison. Papa dit, hey, écoute, je ne veux plus que tu reviennes à 22h, à 23h, me réveiller. Un enfant qui écoute, il va obéir. Amen. Il a dit, non, papa ne veut pas qu'on vienne en retard. Il corrige. Amen. C'est pareil dans le spirituel. Amen. Dieu te dit, arrête de fréquentation là du monde. Oui, oui. Si tu es de la maison. Parce que tous les gens là, nous en faisons. Mm. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Tous. Avec un qui ne pouvait pas pécher, c'était Jésus-Christ. Amen. Tous nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais quand Dieu me parle, quand Dieu te parle, alors essayez de corriger. Mais il n'y a que l'enfant de qui n'est pas de la maison qui n'attend pas. Amen. Vous lui dites, de toute façon, ce n'est pas ma maison. Et il s'en va. Mais celui de la maison, même si papa frappe,
Dites amen à ça. Il va dire, je vais aller où? Hein? Je vais aller encore où? Est-ce que vous dites amen à ça? Il réfléchit. Oui. C'est, et donc, dans la vie, il faut qu'il y ait un changement. Amen. Qu'on voie que j'étais comme ça, aujourd'hui je suis là. Amen. Et ça, là, on doit le constater. Amen. Chacun de nous doit le voir. Et même les gens vont parler autour de vous. C'est vrai. Moi, j'ai beaucoup de témoignages. Des gens. T'as remarqué certains. Vous avez remarqué certains. Frère, c'est des choses qui se voient. Amen. Et quand tu n'as jamais changé, on le sait aussi que tu n'as pas changé. Amen. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah, il y a des enfants comme ça dans la maison. Parce que dans les foyers, il y a des enfants comme ça. Vous lui dites. Ça passe. Ce que nous voyons dans le naturel, c'est ce que nous voyons dans le spirituel. Quelle est ton origine? J'ai entendu les gens dire, bon, non, nous, nous sommes de ceci. Nous sommes de ceci. Non, l'homme vient de Dieu et il retourne à Dieu. Amen. Peu importe ce que tu es, l'homme, il n'y en a pas des sortes d'hommes. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu n'a pas créé des hommes. Il a créé un homme. Et dans l'homme, il y avait sa femme. Il n'y en a pas deux. Il n'a pas créé un noir, il n'a pas créé un blanc, il n'a pas créé un rouge, il n'a pas créé un jaune. Il a créé un homme spirituel. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et cet homme, Dieu l'a mis dans une motte de terre. Et Branham nous dit pourquoi il y a des différences aujourd'hui de jaune, de rouge, de noir. C'est le les temps, climats. Les climats. Oui, est-ce que vous savez cela? Amen. Et regardez, ça c'est la terre. Ça paye quelqu'un. Ça c'est la terre. Et c'est la terre qui tourne. On dit quoi? Autour du soleil. Le soleil, lui, il a qu'une voie. C'est qu'on appelle quoi? L'équateur. C'est ça? Oui. Le soleil traverse cette ligne. Et la terre tourne tout autour. Mais comme le soleil traverse ici, il est plus chaud ici. Mm-hmm. Dites amen à ça. Amen. Dans les extrémités, le soleil n'est pas plus fort comme il est ici, en Équateur. Branham, vous croyez au prophète Branham? Amen. Il dit c'est quoi? Parce que l'homme a été créé ici. C'est où? En Afrique. En Éden. Et l'Éden était où? En Afrique. Amen. C'est là où il est. C'est pourquoi on dit que c'était un continent chaud. C'est là que la vie a commencé. Pour avoir la vie, remarquez ici en Europe. Quand vous plantez votre plante dans le, ceci, à un certain moment, il faut le couvrir. Vous savez pourquoi on le couvre? Pour le chauffer. Parce qu'ils ont besoin de quoi? De la chaleur. Pour qu'il puisse germer. La vie, c'est là. Maintenant, frère Abraham dit, et les scientifiques ils ont prouvé que le premier homme a été trouvé, a découvert où? En Afrique. C'est ça, non? Oui. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui nous avons des noirs, nous avons des rouges, nous avons des jaunes, nous avons des ceci et de cela? Parce que, au fur et à mesure que les gens montent au nord, il fait un peu plus froid et l'air pour commence à changer. Mais ça ne change pas d'un animal à un homme. Est-ce que vous voyez la différence? Il ne deviendra jamais un animal ni un poisson. Il reste un homme. Mais Branham, parce que la parole vient au prophète, il dit, le soleil fait cela. Amen. Au fur et à mesure que vous montez, n'est-ce pas, le foie et le terre commencent. C'est prouvé scientifiquement. Comment ça s'éclaircit? Maintenant, il dit, ceux qui sont, aujourd'hui vous allez dire, il y a des jaunes, il y a des rouges, parce qu'à l'est on voit des jaunes. C'est qui les gens? Les Chinois. Mais quand le soleil se lève le matin, le soleil sort d'où? Hein? De l'Est. Quand le soleil se lève le matin, ce soleil-là n'est pas comme quand il vient à midi. C'est un peu jaunâtre. Mais quand le soleil se couche, dites amen à ça, observez. On trouve les Indiens, les rouges où? Les peaux rouges. Hein? En Amérique. C'est ça, non? Oui. Au couchant du soleil. Quand le soleil se couche, ça devient un peu rouge. Oui.
climat qui fait que nous... Mais l'homme restera toujours un homme. Amen. Dites amen à ça. Amen. Chaque semence, selon son espèce. Les restes, c'est de la foutaise. Ils ont dit, on peut démontrer. Ils n'ont jamais rien démontré. L'évolution, jamais. Parce que... Ils c'est jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais démontré que l'homme vient du singe. Ça n'existe pas. Jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'avance pour terminer. Parce que notre objectif ce matin, c'est de s'identifier. D'identifier l'autre? Non. Moi-même, je dois m'identifier. Comme Christ s'est identifié lui-même. Amen. Comme l'Église s'identifie elle-même. Voyez-vous? La même chose, par exemple, la vie d'un cancer, comme je l'ai dit ici. Vous voyez, notre caractère est modélé d'après ce qui se trouve à nous. Amen. Ce que vous exprimez dehors, c'est ce qui vient de votre cœur. Amen. Amen. C'est ce qui sort Et l'homme voit. Ton origine, c'est quoi? Tu viens d'où? Tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Voyez-vous? Qu'est-ce que tu fais? Notre caractère, voyez, notre caractère est modélé d'après ce qui se trouve en nous. Et notre extérieur ne fait qu'exprimer notre intérieur. Amen. 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 Est-ce que vous savez ça, n'est-ce pas? L'homme est composé de trois parties. Ici, il y a l'âme ou l'incrédulité. Vous avez votre esprit ici. Vous avez votre corps ici. Ce qui se voit ici, c'est ce qui vient de là. Si vous avez la foi, c'est la parole de Dieu qui convoit les gens dehors. Amen. Si vous êtes un incrédule, et alors c'est l'incrédulité qu'on voit. C'est vrai. On voit ce qui est en vous. Et ça, tu ne peux pas le cacher. Même si tu te caches un jour, tu vas montrer tes couleurs. Oui. Il suffit qu'on te piétine là, tu vas voir la colère qui est en lui. Il suffit que vous parlez du mal de lui. Vous allez voir ce qui est en lui. Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. C'est ça. Amen. Pas autre chose. Et Frère Madame dit, ne soyez jamais. C'est, vous savez, c'est l'un des plus grands obstacles que l'Église de Dieu a. Voyez-vous? On trouve des contrebandiers de l'alcool. Les gens qui jouent, des jeux d'argent. Ces gens-là, voyez-vous, nous savons que tous, quelle voie ils suivent, et même aussi, ils le savent. Tu ne me diras pas faire, et ce que tu fais, tu ne le sais pas. Amen. Amen. Ce que tu fais, tu le sais. Frère Branham dit, Adam savait exactement ce qu'il faisait. Mm. Est-ce que vous savez ça? Mm. Eve est venue pour lui dire, non. Adam, moi j'ai mangé le fruit, tu peux manger, c'est bon. Adam savait que c'était mauvais. Oui. Il t'amène à ça? Ah, ça te prouve qu'il a dit. Oui, oui. Il savait que ce n'était pas juste ce que sa femme lui disait. Oui. Mais pour satisfaire sa femme, elle a pris le fruit et elle a mangé. Branham dit, Adam savait très bien ce qu'il faisait. Amen. Ce que tu fais, tu le sais. Amen. C'est ça qui t'identifie. Exact. Tu le sais. Tu ne vas pas tromper Dieu. Et tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Amen. C'est Branham qui dit au paragraphe 68 ici. Voyez-vous? Nous savons quelle est la voie. Paragraphe 17, pardon. À la fin. Ils suivent et eux-mêmes aussi le savent. Nous, on va découvrir ce que tu es, mais toi-même, tu te connais. C'est tu vrai. Sais ce que tu es, tu sais ce que tu fais. Mais l'homme qui professe être chrétien, on va vers la fin. Mais l'homme qui professe être chrétien, la femme qui professe être chrétienne, et qui ensuite mène une autre vie, constitue la plus grande pierre d'achoppement que les gens du dehors peuvent y voir. Amen. 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 Pierre de quoi? L'achoppement. Et si la personne n'est pas affermie, qu'il ne peut pas voir qu'un homme peut commettre aussi une erreur, cet homme-là sera perdu à cause de toi.
Il y a des fois, c'est ce que vous attendez. Ah, moi j'ai quitté cette église-là. Moi je fais ceci. Parce que je vis des gens, le frère faire ceci, le pasteur faire ceci. Parce qu'il n'est pas constitué à voir des choses que l'homme peut commettre une erreur. Mais dans ce moment-là, tu deviens espèce quoi? La chose. Ah, ça ne vous épargne ou pas? Mais je ne quitterai pas l'église parce que ma soeur a fait une erreur. Je ne quitterai pas l'église parce que mon frère a commis une faute. Je ne quitterai pas l'église parce que le pasteur a fait une erreur. Non. Je dois prier pour lui, n'est-ce pas? Exact. Mais pour les faibles, ça devient quoi, une pierre? C'est ça. Et c'est pourquoi, quelque part, frère, madame dit, il y a des fois, il faut éviter de d'être trop près de votre pasteur. Exact. Correct. Ah. Vous savez ça? Amen. Parce qu'il y a un pasteur, c'est un homme. Un homme. Ah, oui. Il va voir. Oui. Pasteur aussi, il dort. Hein. C'est un homme. Il doit dormir. Amen. Ça, c'est vrai. Et quand vous êtes tout près de votre pasteur, vous devez être des gens de prière. Amen. Des gens comme ce qui a amené David. Amen. Vous connaissez l'histoire? Ces héros-là, c'est des gens affermis. Amen. Qui savaient que malgré son erreur, c'est un homme loin. Amen. 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 Ce n'est pas donné à tout le monde, frère. Sinon, ça va vous éloigner encore plus dans le monde. Faites attention. Amen. Parce que quand vous êtes tous les jours avec le votre pasteur, il va commettre une erreur. Amen. Et si tu n'es pas affirmé, tu vas retourner dans le monde. Amen. Eh bien, pasteur, voilà. Parce qu'il faut être un homme mûr. Sinon, frère, madame, dit des gens comme ces guerriers-là de David. Malgré ce que David a fait, mais ils ont dit que nous resterons avec lui. Amen. Moïse, c'est pareil. Amen. Malgré ce que nous resterons toujours avec lui. Mais il n'y en a pas deux qui peuvent faire ça. Amen. Exact. Amen. C'est pourquoi éviter. Bon, il y a des fois, vous allez dire, c'est contraire. Non, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il dit, le pasteur doit être prêt avec ses brebis. Il dort avec les brebis. Il sent l'odeur de brebis. C'est vrai. Mais à un certain moment, nous devons faire le choix. Si ça amène la faiblesse, alors éloignez-vous. Il t'amène à ça. Amen. Ah, c'est clair. Parce que vous serez, mais le passé c'était non. Oui. Quelqu'un peut dire amène à ça. Et il dit, voyez-vous, nous disons Jésus est venu sauver ce qui était perdu, c'est vrai. Ce qu'il a fait. Et alors, il a dû y avoir quelque chose pour sauver ce qui était perdu. Cela a dû donc être un caractère différent de celui qui était perdu. Il t'amène à ça. Amen. Pourquoi il est venu? Parce qu'il avait un caractère différent de nous. L'homme était perdu. Vous savez ça, n'est-ce pas? Alors, lui, il avait un caractère différent. C'est ce caractère-là qui l'a amené pour que toi, tu puisses avoir, pour que nous puissions s'identifier à lui. Amen. Arrêtons tout ce que vous pouvez imaginer de ce monde, frère. Notre but, c'est de vivre la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. À s'identifier à cette parole. Ne soyez pas donc une pierre d'achoppement pour les autres. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Hein? Ne soyez jamais une pierre d'achoppement pour les autres. Dans votre quartier. Amen. Dimanche, tu sors, tu vas à l'église. Bon, on te voit le lundi sortir en mini-jupe pour aller à l'école. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de montrer? C'est ça, pasteur. Amen. On te voit sortir en pantalon serré. Qu'est-ce que vous êtes en train de montrer à tous ces gens-là qui connaissent, qui savent et qui vont à l'église? Amen. Dites amen à ça. Amen. Oh non, personne ne m'a dit. Oh, nous, on n'a pas besoin de te voir. Amen. Mais Dieu te voit. Amen. 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 Dieu te voit. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Dieu te voit. Et si tu dis que tu es chrétien, tu ne filmes pas, tu ne bois pas. Mais en secret avec tes amis, tu bois, tu filmes. Vous pensez que ces gens-là, mais cette sœur ici, bon, elle va à l'église. Hein. Cette sœur ici, elle va à l'église. Hein. C'est comme l'autre que je vous ai dit vendredi qui a été dévoilé.
enfin, mais en dehors, il drague les filles. Alors, il ne savait pas que ces filles-là, un jour, il a accepté la parole de Dieu. Il vient à l'église, il dit, oh, mais des choses que j'entends ici, hein? Comment toi, tu m'as pas dit ces choses-là? Tu ne me dis jamais ça? Vous voyez, n'est-ce pas? Dieu va te profondes. Bon, peut-être c'est la voix que Dieu a utilisée. C'est notre sœur aujourd'hui. Mais c'était une païenne dans le monde. Un frère, soi-disant frère l'a dragué, il est venu à l'église. Et lui, il est devenu une fille de Dieu. C'est le moyen que Dieu avait utilisé. Il peut utiliser plusieurs moyens pour vous appeler à lui. Amen. Ah non, c'est mon ami qui m'a appelé. Sois attentif à ce que tu vas écouter. Ah non, je suis parti pour une occasion. Dieu, il n'y a pas de hasard. Votre présence ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est connu dès avant la fondation du monde. Que ce matin-là, tu serais dans Agapao. Dieu te parle. Si tu es attentif, Dieu te parle. C'est à toi de prendre une décision. Identifie-toi à la parole. Amen. Le seul livre qui nous identifie, qui nous montre comment s'identifier, c'est la parole de Dieu. Que cela soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous à Jésus, j'abandonne tout. Oui, j'abandonne tout. Oh, je t'aime, sans fière, je vivrai dans sa présence. Maintenant, je vois.